Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Alors j'ai eu quelques petits soucis avec mes VOD ces derniers jours, mais normalement voilà, pour la dernière semaine de VOD ça devrait être ok. Je vais réussir à sortir tout ce que j'avais prévu normalement, donc bon, c'est juste qu'aujourd'hui je fais cette vidéo plutôt que celle qui était prévue, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va jouer un deck fun. Voilà le deck de Toast, qui est un joueur américain qui fait un peu du troll et tout. Donc voilà, donc le deck est centré autour de Nonoeil. Nonoeil, le petit pirate. Et en gros, le but du deck, c'est. Je vais lancer pendant que j'explique. Donc en gros, le but du deck, ouais, c'est d'essayer de récupérer Nonoeil, de le recruter, enfin faire recrutement dessus pour qu'ils reviennent dans notre main et de le réinvoquer et d'avoir une armée de Nonoeil et après d'utiliser le Captain Krag pour mettre des gros dégâts, le remettre dans notre main et tout. Enfin bref, vous allez voir, le but c'est de flouder un peu le board, c'est de faire des petits combos marrants en espérant que ça marche. Voilà, on va jouer en partie non classée hein, puisque bon, c'est quand même un deck fun, hein, voilà, c'est pas non plus le deck qui va vous faire passer. Légende, enfin je ne pense pas. Donc voilà. Allez, en avant, on va tester un petit peu ce que vaut le deck. Donc je pense que. Déjà, c'est pas mal d'avoir la pièce. Bon, là, on l'a pas. Et c'est pas mal de tout mulligan pour essayer d'avoir le recrutement le plus vite possible. Parce que le recrutement, c'est un peu la base du combo quand même. Donc voilà. Et le but, c'est de pas avoir Nonoeil, quoi. Ah, parfait ça. Hop. Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver. Ça c'est quand même le pire troll, ça, le bonne fête du voile d'hiver. Bref, voilà, je suis tombé sur ce deck, j'ai regardé une vidéo et je suis tombé sur ce deck, je me suis dit putain, MDR, lololol. Et du coup, voilà, je vous présente le petit deck fun. Hein. Si vous voulez le refaire, il n'y a pas de... Il y a, si, y a, ouais, il y a quoi comme carte? Il y a comme carte essentielle, quand même, deux légendaires. Dans le sens où... On va faire ça, hein, on va piocher, nous on veut essayer d'avancer dans le deck. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les cartes maîtresses obligatoires, c'est vraiment Nonoeil, évidemment. Captain Krag et les recrutements, quoi. C'est vraiment ça. Bon après, évidemment, Commissaire Priseur, etc. Mais si vous avez certaines cartes que vous n'avez pas, du genre si vous n'avez pas Talnos, c'est pas grave, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous remplacez, vous n'êtes pas idiot. Oh non. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On pouvait faire ça et invoquer Nonoeil et le tuer. Mais du coup, on a perdu. Est-ce qu'on pioche ici? On va juste faire ça et rien faire. Et passer. On va passer. Donc là, si on a recrutement, on est pas mal. Si on a recrutement qui arrive bientôt, on est pas mal. Alors on a aussi mis les pièces contrefaites, les petites pièces gratuites avec le commissaire priseur, ça peut nous permettre de piocher. Même si on pioche Nonoeil, c'est pas très grave. Ah, c'est un deck comme ça. Même si on pioche Nonoeil, c'est pas trop grave en vrai. Parce que on. Voilà, bah on pioche Nonoeil, dommage. Parce qu'on pourra toujours le remonter en fait. Bon, on va faire ça. Piocher. Bon, il y a beaucoup de cartes de pioche hein, forcément, parce que le but c'est d'avoir recrutement, c'est d'avoir Captain Krag. Bon là on a pioché Nonoeil donc c'est pas forcément la meilleure carte du paf. Puisque bah, le but c'est de le récupérer gratos. Oh, on voit quelle carte a été buff, ok. Bon. Well. Ah bah voilà, recrutement. Recrutement, bon là on va pas l'utiliser tout de suite. On va faire ça et... Alors le but c'est de mettre Nonoeil, ensuite le recruter, ensuite mettre Captain des Mers du Sud, récupérer plein de Nonoeil, et le but ce serait d'avoir si possible un Captain Krag qui arrive d'ici peu quoi. On va voir si le combo marche. Bon là déjà on est en galère un peu mais ce serait bien qu'il puisse pas tuer ça. Pour 6 qu'est-ce qu'il met? Ah, voilà qui est chiant. Je sais même pas que c'est. Je connaissais même pas cette carte. Ah la pièce. La pièce S contrefaite. Est-ce qu'elle peut nous servir quelque chose ici?
combien ça me coûterait? Combien ça coûterait de mettre ça? Ça coûte 6. Ouais. Pas ouf, pas ouf, hein. Je pense qu'on va faire ça. Faire ça. C'est pas ouf, hein, mais on prépare en fait. J'ai pas envie de mettre ça, ce qui peut avoir une arme. Donc on va faire. Bon là on prépare le combo évidemment. Mon play était pas du tout ouf, mais le but c'est quand même de clean un petit peu. Parce que le play est quand même mieux avec le Captain Krag. On a 18 cartes encore à piocher. On peut attendre, hein. C'est un deck qui se joue dans l'attente, c'est-à-dire que on peut gagner au tout dernier coup, quoi. Bon, là, j'avoue que suis un petit peu déçu d'avoir joué mon éventail de couteaux, mais on peut le piocher, hein, peut-être. On pourra peut-être le piocher bientôt. Genre maintenant, ce serait pas mal, on en a deux. Hop! Ouais, non, dommage. Bon, du coup, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Ma souris qui bug. Voilà. Faire ça. Ah, on a Captain Krag. C'est pas mal ça déjà. Est-ce qu'on fait ça ou pas? Ça sert à rien. Est-ce que vous pensez qu'il va face? Il y a une chance pour qu'il face. Et que du coup il me laisse mon non-œil. Petite chance, mais chance quand même. Bon, allez, maintenant il nous faut soit un truc qui permette de revenir, de faire revenir le Captain Krag. Captain Krag qui va coûter 1 de moins pour chaque pirate, il coûte 7 de base. Il va coûter du coup 4 de moins. Donc il va coûter 3. Je pense pas qu'il trade, honnêtement. Enfin, je pense qu'il va trade ça, évidemment, mais je pense pas je pense qu'il va face avec le reste. Il face même peut-être avec tout. Il face avec tout? Non. Il trade quand même. Non, il trade pas. Ok. Ok, il fait ça avec tout. Bon, là, il va falloir qu'on chatte un peu, mais on peut le faire. We can do it. We can do it, guys. Bon, pas avec ça, par contre. Falloir qu'on chatte un peu, les gars. Ah, bah voilà, c'est ça qu'on veut. Donc là, on fait ça. Oh, je vous montre juste le combo, hein, du coup. Là, on va perdre très certainement, mais c'est pas grave. On vous montre le combo un peu comment ça marche. Donc voilà, c'est ça le but. Ouais, après on fait ça. On va piocher un autre commissaire priseur, c'est pas ouf. Voilà. Donc là, on a réussi à faire le combo. Bon, évidemment, on a perdu, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant qu'on a vu le combo, on va essayer de gagner maintenant. Bonjour. C'est pas grave. Moi je le sens bien. Est-ce qu'on testerait? Vas-y, on va faire une classée pour le fun. Je le sens pas trop, hein. On va la tenter en classée au rang 8. Ça fait genre une semaine que j'ai pas joué. Je sais même pas si la méta a changé ou pas. Ah, on est contre un démoloque, c'est ça? Ah, on a recrutement. Ah, par contre, à chaque fois on commence, c'est très chiant pour nous. On a le recrutement, ce qui est déjà pas mal. Ça va, notre main est ok en vrai. Notre main est ok. Puisque on va pouvoir invoquer. Enfin, elle est ok. Elle est très moyenne, mais on a déjà le recrutement, c'est déjà pas mal. Bonjour. On lui coupe les sons. On n'a pas envie de l'entendre. Et casse-couille. Pendant que AlphaCast vient de se connecter. Et Super Zulu qui est rang 5. Ah, on a pas de cheese. Autrement dit, Neneuil, le pirate. Du coup, on va pas le jouer tout de suite. Le mieux là qu'on puisse choper, ce serait le deuxième recrutement. Vous avouerez. On va faire ça pour temporiser. On n'a pas besoin d'utiliser ça pour l'instant. Il vaut mieux essayer d'utiliser pour piocher de la carte. Ok, nice. On va juste récupérer une pièce gratuite. On s'en fout un peu.
Voilà, le but hein, du deck là c'est de piocher. Ouais, on a une pièce gratuite. On peut attaquer, ça change rien puisque de toute façon on n'a pas spécialement de poison et puis l'arme ne sert pas à grand chose. Il a déjà utilisé son limon, enfin on s'en fout un peu. Ok. Kazakus. Kazakus doré. Kazakus. Est-ce qu'on a peur de Kazakus? Non. Enfin, si, mais non. Le but, c'est d'essayer de faire le combo en ranked. Ah, une prep. Une prep, c'est pas mal. On va piocher encore. Une éviscération, ok. Alors, ce qui est bien, c'est que le Rhinolock est techniquement un peu lent. Donc, c'est pas trop mal. Bon, là, il nous manque un commissaire priseur pour commencer à piocher un peu. Là, on a le commissaire priseur, on pioche un milliard de cartes. Donc, ce serait vraiment pas mal de le choper. Ok, le chef du gang des Diablotes. Allez, un SVP commissaire. Non, ça va commencer à être chiant. Pas de nombre. Ok. Bon, bah, on va se permettre de prendre 4 dégâts. Donc là, on pourrait évidemment faire ça, into. Mais vraiment, ce serait pas mal de garder les sorts pour essayer de piocher. Donc on va tempo un tour avant de le faire. Sait-on jamais. Pouah. On n'a pas de sap en plus, hein, je vous le répète. Ça risque d'être tendu cette partie. L'éventail de couteaux, waouh. On va quand même faire ça du coup. En fait, non, on aurait dû. Ouais, si ça change. J'aurais dû faire ça avant, je suis un peu con. Ok, la pièce contrefaite, bien relou. Allez, commissaire priseur, viens à moi. En fait, le problème, c'est que là, j'attends vraiment le commissaire priseur parce qu'en plus, si je recrute pas de cheese, enfin, un neneuil, ça fait 3 neneuils en plus que je peux piocher si j'utilise pas la combo, donc c'est chiant. Oh, allez, on n'a pas pioché là. De la pioche. Ouais, ok. De la pioche. Non. Putain, on a presque toute la combo. Ah, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Non. Bon, on rappelle, c'est un deck fun. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Ça risque, vous risquez de perdre. Hein. Donc 12 at atome. Ah bah nice. Merci mon pote. Il me permet de tempo ce tour. Putain. Bon, on va rien faire hein. On va continuer à attendre. Est-ce que là il peut pas me tuer? Si, il peut me tuer je crois. Avec son combo. Avec sa combo. Sa combinaison de cartes. Allez. Oh. Bon, on va faire la combo quand même pour le fun, sauf si on meurt maintenant. Ah, Jaraxxus, très bien. Bon, on va faire la combo de toute façon parce qu'on est mort, hein, donc. Oh, elle est pas mal ça en vrai. Attendez, d'abord ça du coup. Bon, on va faire la combo pour le fun, donc tac. Ensuite, tac. Il faut qu'en fait, si on avait pioché Captain Krug, on avait gagné. Enfin. Ah merde, j'en ai ruiné en fait. Là, je suis un peu un con. En plus, c'est chiant parce que je dois en tuer un. À vos ordres. Non, il y en a encore un, non, qui est dans le paquet ou pas? Oula. Oula, le lag. Voilà. Eh, on a presque gagné les gars. On aurait eu Captain Krag, on avait gagné. C'est quand même ballot quoi. Bien joué.
Bon, capitule, mais honnêtement, on était à ça. Bon, on a perdu deux fois de suite, mais bon, ça reste un deck qui ne gagne pas, hein. C'est un deck fun. Par contre, il y a des petits lags, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ah merde, on passera en 9. Vas-y, j'ai envie de le refaire une petite fois quand même en ranked. Allez, on va le jouer une dernière fois. Bon, ce serait pas mal qu'on arrive à gagner, mais j'y crois pas trop, je t'avouerai. En vrai, là, on était pas loin. Il nous fallait Captain Krag. Captain Krag, on faisait les dégâts, surtout qu'on avait les deux pas de l'ombre, on avait tout ce qu'il fallait. Là. Dommage. Ah, on va peut-être être contre un guerrier. Oui, enfin, forcément on est contre un guerrier, mais on va peut-être être contre un guerrier face. Ah, nice, on a de la bonne carte là. Est-ce qu'on vire pas tout ça? On garde juste le recrutement. Après, ouais, bon, on a de la pioche. On aurait peut-être dû garder le commissaire en fait. Le commissaire priseur, ça aurait été peut-être pas mal. Bon, ça a l'air d'être un deck guerrier face. Parce qu'il hésite déjà à quelle carte il va utiliser. Ok. Bon, on fait rien. On va prendre sûrement très très cher, hein, mais on va voir si on peut tenir. Déjà, il a pas... C'est bizarre, il a pas d'un œil. Ah, il l'a dans sa main. Oui, évidemment. Toum, 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 toum. C'est chiant, hein, on peut le dire, c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va faire ça. Oh, dommage. Ok, relou. Ok, bon, ça va. En vrai, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est le meilleur play? Est-ce qu'on pète l'arme maintenant? L'arme qui fait 2. Ou est-ce qu'on tue ça? Oui, il faut péter l'arme, en fait. Comme ça c'est un 1. Bon, on fait péter l'arme. Ça, la question ne se pose pas. Donc après, on fait ça. Ça. Et ça. Ok. Bon. On n'est pas très très bien, mais... rappelons que, dès que je joue un pirate, je peux après recruter Nonoï. Mais on a réussi à tenir et il a pas de pioche hein, dans son deck. On rappelle, c'est un deck full débile. Donc il n'y a pas de pioche. Et là, on a enlevé quand même une bonne menace. Et on peut gérer Berserker qui arriverait. Au cas où. Et quand le mec fait un sort, son pouvoir héroïque, on est quand même pas mal. Ah, bah voilà. Donc là, il suffit juste qu'on attende. Il suffit juste qu'on attende le prochain tour et on pourra faire Captain des Mers du Sud. Into recrutement. Mais ce sera pas forcément worse. Ouais, si, ça va. Ça va, ce sera worse s'il arrive pas à clean en fait. Bon, on va pas faire ça du coup. On va pas faire ça. On pourrait le faire en vrai. On pourrait le faire, on va le faire. Bon, on va faire ça. Au code des pirates. Bon, si on gagne en ranked avec ce deck, ça va être bien marrant quand même. Pourquoi on fait ça? Parce qu'au prochain tour, techniquement, il pourra pas clean les deux. Donc s'il clean pas les deux, on pourra forcément jouer Captain Krag. Il va péter. Oh, il face du coup, nice. C'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. En même temps, c'est un peu normal, hein, vu son deck. Mais... Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on fait ça. Étonnant. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Après, il peut nous gagner. Hein. Il peut gagner en avec deux cartes. Hein. Mais là, s'il fait pas quelque chose... Merde, j'aurais jamais dû. Ouais, non. C'est bon. Parce que je dis, là, j'ai plus de quoi comboter pour essayer de faire ça. Là, c'est soit il gagne maintenant, soit on a gagné, les gars. Soit on a gagné avec ce deck. Il a... Ouh, ça sent mauvais. Ouh, ça sent mauvais. Nice. Ouh, ça sent mauvais. Non, je suis con, il avait plus que... Et pillage. Bonjour. Bonne fête, mon pote. Alors, est-ce qu'on a gagné?
Bah plutôt que oui, mais... Pense au code des pirates. Attendez. On fait ça. On fait ça. Est-ce qu'on a gagné là? J'ai même pas compté. Mais je crois que oui, on a gagné, messieurs. Et on va même le finir avec ça, messieurs. Bien joué. Victoire de ce deck. Énorme. Énorme, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de dire bonjour, bonne fête du voile d'hiver. Bon bah voilà, hein, comme quoi, il y a des decks qui peuvent gagner. Même des decks fun. Donc je vous encourage à essayer ce deck. Et à m'envoyer des screens sur Twitter de tous vos non-œils qui sont 3-3 ou même plus. Enfin, de tous vos non-œils qui floutent votre board. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'espère que le petit deck vous aura plu. On se retrouve demain pour une vidéo. Et après-demain, et après-après-demain, voilà tout ça. Abonnez-vous. Plus.